Coucou les amis lions, c'est votre tour pour le mois de novembre 2020. Alors, j'ai pré-tiré deux cartes. Une première de l'oracle des astres qui nous parle de Vénus. Donc, ça va être chaud cacao pour les amis lions, le mois de novembre, clairement et simplement. Parce que la planète Vénus, c'est quand même la planète de l'amour, hein. Donc de la séduction, de la sexualité, du cœur, de l'empathie, d'accord? Donc, très très joli mois de novembre pour les amis Lion. Si vous êtes célibataire, vous n'allez pas l'être longtemps. Et si vous êtes en couple, ça va être chaud cacao. Avec la carte de l'étoile à six branches, qu'on appelle aussi l'étoile de David, dans l'oracle des sorcières, on nous parle bien d'un couple, d'un homme et d'une femme. C'est aussi la carte du cœur, de l'unification, de l'équilibre entre l'homme et la femme, et même l'équilibre intérieur, le propre équilibre de la personne, d'accord ? Ici, on parle d'harmonie dans vos émotions et de cœur qui détient la réponse, en fait, à toutes vos questions, d'accord? Donc, c'est très, très sensuel, très charnel pour les personnes du signe du lion, ok? Qu'est-ce qu'il y a vers nos amis lions pour le mois de novembre 2020? Je suis là. Tu es là. Qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois de novembre 2020? Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers nos amis lions au mois de novembre 2020. Alors, hop, on va laisser tomber celle-là. Alors, ici, on nous parle du guide, d'accord? Donc, en fait, vous serez extrêmement protégé au mois de novembre, d'accord? Vous avez probablement besoin de cette protection. Vous avez peut-être besoin de méditer, d'accord, sur votre harmonie intérieure, ok? Donc, méditez, prenez soin de vous, aimez, 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 ok? À commencer par vous-même. Ici, avec la carte du message, donc que ce soit sentimentalement, professionnellement parlant ou amicalement parlant, il y aura pas mal de messages, en fait, que vous devrez accumuler, réceptionner, accepter, d'accord? Vous allez peut-être être beaucoup sollicité au début du mois de novembre pour les amis lions, d'accord? On vous demandera peut-être beaucoup votre avis aussi. Vous avez besoin de repos. Il y a quelque chose qui se... Il y a quelque chose qui se refroidit, il y a quelque chose qui a besoin d'être au repos ici, d'accord? On est fatigué, on a besoin de se ressourcer, d'accord? Pour les amis lions, pour le mois de novembre. Avec la nuit, on nous parle aussi, avec l'hiver et la nuit, on nous parle ici de, bon, voilà, tout ce qui est sensualité, tout ce qui est sexualité se passe effectivement la nuit. Et avec l'hiver, moi, je vois toujours une couette, un lit, un endroit chaud pour se reposer. Donc, ouais, je confirme, ça va être un mois charnel, un mois de tendresse, un mois de, voilà, où vous allez avoir besoin du contact humain, qu'il soit physique ou qu'il soit psychologique, vous allez avoir besoin d'être en contact avec l'autre, avec les autres. Ici, avec la ville, pour la fin du mois de novembre, on voit ici quelque chose de l'ordre de repartir vers la communication à la fin du mois de novembre, préparer de nouveaux projets pour la fin du mois de novembre, pour les amis Lion, ok ?
Là, moi, je vois des gens qui se reposent, des gens à qui on pose des questions, des gens qui vont avoir besoin de choses douces, charnelles, sexuelles, sentimentales au mois de novembre. D'accord? Vous allez avoir besoin d'utiliser votre corps ici pour les amis lions. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi, qu'est-ce qui vient vers mes amis lions pour le mois de novembre. Alors, ici, on a honneur, les pénates. On a besoin hein, Bon, on va sûrement vous demander votre avis ici, d'accord? Je suis sûre qu'on va vous demander votre avis sur des questions importantes. Votre avis va compter, d'accord? En début de mois de novembre, début, milieu novembre, d'accord? Vous allez avoir besoin de vous replier, vous allez avoir besoin de dormir, de faire l'amour, d'être dans vos pénates au mois de novembre, d'accord? Et ici, on nous parle de trahison qui est tombée à l'envers. Donc moi, je pense que vous allez résoudre une situation qui est un peu où on vous demande votre avis ici. Ouais. Je ne sais pas quelle est la situation en particulier, mais en tout cas, on va vous demander aussi votre appui à vous les lions, qui êtes des gens très très forts. On va vous demander votre aide en début novembre. Ok? Et vous allez avoir besoin de vous reposer, surtout reposez-vous. D'accord? On va peut-être beaucoup vous solliciter au début du mois de novembre. On va vous prendre un peu pour un guide, une guide. On pourra compter sur vous. Mais cependant, vous avez besoin de vous retrouver en couple ou bien de former un nouveau couple avec quelqu'un. Vous allez avoir besoin de trouver une forme d'harmonie, d'accord? En particulier avec cette carte, d'accord? Ouais. Cette carte qui nous dit que l'amour est le véritable secret de la vie sur Terre. D'accord? Donc, beaucoup d'amour aussi pour ce mois de novembre. Et on vous demande votre avis sur une question très précise. Reposez-vous, vous en avez besoin. Je vous fais plein de bisous les amis lions et je vous dis à très bientôt.